c'était le joueur de l'équipe de France. De chaîne dans le coin, fais gaffe. Je sais pas si c'est la caméra, mais on t'a pas expliqué le déroulement de la course. Ouais, Jean-Marcel, il a l'impression de courir un peu assis. Là, tu cours un peu comme ça, c'est facile. Mais c'est bien, hein. Tu prends la bouteille, hein. Je me gêne, hein, les mecs. C'est cœur poumon, ok? C'est pas les muscles. Parfait. Et... Je voudrais qu'on soit bien concentré. Faut qu'on se concentre bien pour nous. C'est tellement important ce qui va se passer. Moi, depuis quelque temps, je vis avec vous là. J'ai pas l'impression que vous êtes bien entré là. C'est ça qui me tarabuse depuis un moment. Chaque fois qu'on est sur le terrain, c'est tout du bonus pour nous. À l'heure actuelle, c'est tout du bonus pour nous. Parce que nous allons faire un long parcours. Il faut partir pour un long parcours. Et il faudra être prêt vendredi. Et il faudra être prêt le match après, et ainsi de suite. J'aime bien aussi qu'il y ait une responsabilité collective. Dans le menu qui nous est proposé, je peux vous garantir qu'il va falloir être costaud et solidaire. Parce que on va en subir les chocs, les émotions. Mais quel beau truc à vivre, je peux vous dire. Quel beau truc à vivre. Je voudrais que dans votre... Je dirais, monter en puissance, vous soyez tous conscients de cette situation que vous allez vivre. Ce sera un moment, je dirais, pour vous, je l'espère, inoubliable dans votre vie de footballeur. Ok? C'est vu? Hop, hop, hop! Hop, hop, hop! Allez, on expérimente, ok? Attention, relâchez bien. Voilà, mettez-vous en place. Maintenant, dos à dos. Ok, on a changé. Ça fait rien, j'ai rien dit. Bon, hey, les gars, Aïe, bam. Bam. Aïe, tu vas pas dans ce... Très bien. Le temps de récupération est important. Donc on a le temps. Laissez aller la foulée. Allez, pas, t'occupe pas de lui. Voilà. Allez, va ou pas? Tiens, hein. Oui. Mange. Oui, Gainers. Il est malade, ce mec. Il a un grave rendez-vous. Mais pas des... Quand je vois tout ce que vous faites là, à l'échauffement, il y a tout. Pourquoi vous venez pas naturellement comme ça? On n'a pas besoin d'en dire, moi je préfère dormir, hein, si vous êtes là, tant pis, moi. Je dors, moi, je vous le dis. Hein. Non, mais c'est ça, essayez de penser. Vous avez tous les ingrédients. On va penser à la couleur. Si, tu dois penser quand même. Si cerveau le veut, ça exécute. Si cerveau le veut. Et hop! Ouais! Allez, hop! Allez, hop! Allez! Gros peur! Il n'a pas le droit de venir dans mon cas. Allez, on part, Zizou. Ce truc qui est inacceptable, c'est que vous venez chez l'adversaire. Moi, je vais pas. Voilà. Comme tu l'as fait tout à l'heure. Non, voilà. Bonjour, j'ai rien fait. Oui, bien joué, coach.
Épée. Comment extérieur. Mais. Ah gauche. Ah non, arrête du gauche. Lâche-moi, toi. Silence. Tu rames. Encore, tu rames. Bon, je serai impitoyable, puisque vous avez la liberté de faire ce que vous voulez. Donc, permettez-moi d'être impitoyable sur certaines choses, quand même. C'est bien d'accord. Nous sommes là, donnant-donnant. C'est-à-dire qu'un garçon qui va prendre ses responsabilités et qui va faire des choses, et qui... OK. Un garçon qui est dans le zig, qui est dans le zig, dans... Non, ça sert à rien pour l'équipe. Utile pour l'équipe. Efficace. Attaquant. Et venez pas m'emmerder. Menez pas m'emmerder, fixez-vous des objectifs. Tous. Qu'est-ce que je peux faire? Je suis avec qui? Qui est à côté de moi? Quelles sont ses principales qualités? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que vous avez compris, madame? C'est ça le foot. C'est simple. Jouez simplement. Jouez comme vous savez. Mettez-vous dans vos meilleures dispositions. En respectant toujours le jeu. En respectant le jeu que chacun va pratiquer. Robert, c'est pas vieux, c'est pas Zizou. Yuri, c'est pas Zizou. Petit bonhomme, là, c'est pas Zizou. Nana, c'est pas Zizou. Putain, ces trucs. David, pas de problème. C'est un attaquant, il se balade, il vient là, il aime bien les côtés, il aime bien faire. Du gars, peut jouer ici, peut jouer là, c'est un attaquant. Je prends des responsabilités, je frappe au but. Je fais jouer mon copain, je me déplace, je donne l'aération, j'ai des copains qui sont là derrière moi. Robert, que ça soit à droite et à gauche. Pas de problème. Tu viens, provocation, tu es emmerdé, tu sais jouer au football. Clac. Muscle ton jeu. Muscle ton jeu, Robert. Si tu muscles pas ton jeu, fais attention. Je t'assure, tu vas voir. Tu vas avoir des déconvenus parce que t'es trop gentil. Zizou, meneur, ça veut dire l'obligation de mettre en route le jeu. On accélère, on ralentit, toujours spontanéité, première intention pour que tes attaquants soient dans les meilleures dispositions. Ok? T'as un peu exagéré ces derniers temps. Ok? Mais je sais, si t'avais 50 000 devant au Maroc, qui... hein? Zizou, zizou. Ouais, qu'est-ce que tu peux plus résister, hein? Normal, hein? Yuri, Yuri, lui, quelle est sa force? C'est les 30 derniers mètres. Je lui ai expliqué. 30 derniers mètres. Disponibilité pour le groupe à un moment donné, on sait qu'il va se passer quelque chose avec lui. Mais il se met au service, sur un côté, à droite, à gauche, on s'en fout. On s'en fout de ça. Et je terminerai par Steph. Steph, c'est le meilleur buteur de vente depuis 2 ans. 2 ans, il a marqué 2 buts. Combien de buts? 43. 43. En ce moment, il est dans un doute, comme notre ami là-bas. Comme notre ami qui marque le but. Ils sont dans le doute. Mais il y a le déclic. Le déclic qui vient à ceux qui sont audacieux, à ceux qui sont persévérants et à ceux qui sont intelligents. Vous m'avez écouté, vous critiquez ces jours, moi? Jamais. Respect total des attaquants. J'ai un respect total des attaquants parce que j'étais incapable d'être un attaquant. J'étais incapable d'aller devant. J'étais incapable de faire le geste qu'il fallait. Donc je sais ce que c'est. Le dos tourné au but. Et d'avoir des mecs qui me tapent. Et d'avoir des mecs. Et quand c'est pas deux. J'ai dit non. À 2 jours d'un match, on regarde pas les autres. Excusez-moi, pardon, je pose sur la. Pourquoi mon copain il arrive, il a le droit de regarder, lui? Mais c'est pas pareil. À 2 jours d'un match, ça peut pas lui faire le mal de voir à quoi ça ressemble le football. Tous les jours, il regarde deux fois, regarde. C'est ça, les stars. Les stars mondiales, c'est ça. On va les faire pour les jeunes. Vous leur dites qu'ils se débrouillent, de toute façon, je leur donnerai après. Ok, merci. À qui t'a donné ça? Aux jeunes là, de Clairefontaine. On a plein de choses, là, où on est servi. C'est les mêmes services. Hey, c'est les mêmes survêtes qu'on a déjà avant. T'as vu, Bernard? Ouais, c'est les mêmes. Tu vois, le but suprême de l'équipe de France, je vais t'expliquer c'est quoi le but suprême. C'est d'avoir une sélection, de toucher les équipements. Et si tu reviens plus, c'est pas grave. Parce que tu auras touché les équipements.
C'est pas joli, ça. Pourquoi c'est pas joli? C'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. C'est le but, venir prendre les équipements. C'est pas abîmé, hein. De toute façon, ça nous a fait penser... Il est tout souqué ou il couche de boule? Oh! Les Antilles! Messieurs, nous sommes arrivés à Marseille. Il est 11h, la température extérieure est de 22 degrés. Veuillez maintenir votre ceinture attachée jusqu'à l'extinction de la consigne lumineuse. Nous espérons que ce voyage a été agréable et nous espérons d'arriver jusqu'à la finale. Bon vol et bon match pour demain. Mais voilà! Oh là 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 là! D'ouverture, mais pour notre premier match du coup du mois, c'est fabuleux. Deux autres rencontres également. Voilà. Quel poireau! Pas mal le mec, hein? Bon, pour parler, non, hein? Pas mal. Les deux beaux yeux. Quand il parle pas, ça va, quoi. Quand il parle pas, ça va. <C'est>... Faut pas qu'il parle. T'as, regarde la tête, merci. Qu'est-ce que tu fais, Philippe, là? Là, j'y perds une tension au niveau thoracique. Là. Inspire à fond. Inspire. Inspire. Aïe. Inspire fort. Nous avons la chance, bon j'ai dit nous avons la chance, je vous dis tout de suite, c'est de jouer ici, à Marseille. C'est une grande chance, je ne sais pas si ça a été une volonté, je crois, de Michel Platini, mais je peux vous dire que sur le plan football, c'est bien qu'on ait joué ici. Le fief du foot, c'est ici. Et il y a une chose qu'ils apprécient, c'est les garçons qui sont totales, sans restriction, qui aiment mouiller le maillot, qui sont généreux, qui sont, je dirais, totalement dans leur expression. Et quand ils ressentent ça, je peux vous garantir que la tension monte et que vous aurez un soutien phénoménal. C'est le grand rendez-vous avec le public. C'est le grand rendez-vous avec le public français. Hein, le public français veut du spectacle. Ouais, ok. Et d'abord, l'affichage. La gagne. La gagne, c'est la mentalité, c'est le groupe. C'est la solidarité, c'est la générosité. La gagne, ça se... Ça va, on va la chercher, elle ne vient pas toute seule. On la provoque, ou on la stimule. C'est pour ça qu'il faut avoir beaucoup d'intensité. Mettre l'intensité, c'est ce qu'on appelle mettre l'impression sur l'adversaire. Ça veut dire l'obliger à être inquiet, l'obliger à être nerveux, l'obliger à l'exciter, l'obliger à faire une faute. N'oubliez jamais que c'est le football il appartient au footballeur, il n'appartient qu'à vous, le jeu il appartient qu'à vous, à vous, les gars, de bien vous concentrer, de bien savoir faire le vide pour pouvoir être total à 21h, c'est 21h maintenant qu'on a rendez-vous le mec, on a rendez-vous avec l'histoire à 21h, on reste, hein, organisez-vous, pas de problème, pas de, tout se passe bien, allez.